plus 1, c'est égal à 2. Et 2 plus 2, ça fait 4. Facile, n'est-ce pas? C'était l'école primaire. 1 moins 2 n'existait pas, il n'y avait pas de galère. Ça correspond dans la vie où tu venais de naître. Au jour où tu dis maman, sans la cinquième lettre. Tout était facile, un gris pour du lait chaud. Tu commandais la famille, 2 gris pour monter au dos. Mais n'aimons pas la facilité, donc allons au secondaire. Où les maths vont se corser, des équations aux vecteurs. Où l'intelligence et rapidité doivent être sur le même moteur. Là où on voit le signe qu'on a sauté après avoir écrit 2 heures. Ça correspond au moment de la vie où tu arrêtes d'être gamin. Où tu tiens compte des avis, ce que tu ne faisais jamais. Où tu essaies à la fois de gérer 10 problèmes. C'est le moment où tu n'as pas la foi, mais que tu pries quand même. Et si vous croyez que c'est la fin, vous n'avez pas fait la terminale. Là où on maigrit sans avoir faim, sous les exos des annales. Moi j'y ai fait un tour, j'ai pris quelque chose. J'ai suivi quelques cours de maths et j'ai eu plus que ma dose. L'un des premiers chapitres vous parle de suites numériques. Elles peuvent être géométriques et parfois arithmétiques. Comme pour dire que dans la vie, il y a 2 cas qui s'alternent. Et si vous voulez mon avis, envisagez même un 3e. Mais chaque chose a sa limite, quel que soit le nombre de cas. Je l'ai appris au chapitre des limites, la victoire est souvent à 2 pas. Que l'impossible finit quand on arrête d'être fainéant. Limite quand X tend vers l'infini, ça peut être 0 et rien d'effrayant. Mais le chapitre des dérivés a failli dériver ma joie. Les formules à mémoriser, les théorèmes et les lois. Pire que la table de multiplication de l'école primaire, présente dans toutes les évaluations, je les connais mieux que le numéro de mon père. Mais si vous n'aimez pas mémoriser, vous dormirez au chapitre suivant. La trigonométrie est arrivée, le sens de l'aiguille dépendait de moi. Donc le jour où j'étais content, je faisais le contraire de la montre. Et quand contraire était le vent, je n'allais pas à l'encontre. C'est ici qu'on oublie une formule que l'on juge pas nécessaire. Et c'est la même qui vous bloque à l'évaluation suivante. Comme pour dire que dans la vie, quand tu essaies d'aller vite, il y a toujours des soucis qui te rattrapent tout de suite. Et c'est en fuyant ces soucis que je suis tombé sur les intégrales. Le responsable des 2 capis des élèves de terminale. Le genre de chapitre qui donne envie de changer le D en A. On fera le devoir, mais la copie, papa, tu ne la verras pas. Et c'est là qu'on comprend qu'on n'y arrivera pas seul. Que ce soit une rencontre entre l'oreille et l'œil. Ce groupe de travail qu'on fera pour partage d'expérience et son ambiance qui sera dans nos souvenirs de vacances. Ça nous renvoie dans la vie où finalement tu comprends qu'une réussite individuelle n'existe quasiment pas. Que la famille, les amis, toute cette aide comprend qu'on devait rendre la pareille valeur d'un vrai Burkina. Et le chapitre qui va suivre m'a un peu fait rire. Je crois que le concepteur était ivre et nous allons en souffrir. Racine d'un nombre négatif, ça n'existait pas au secondaire. Ce gars l'a juste appelé I, nombre imaginaire. Le même I qu'on a chanté pendant l'école primaire. Il est revenu nous hanter et on ne peut rien y faire. Chapitre des nombres complexes, ça nous renvoie à la vie. Là où on t'insulte, on te vexe, mais néanmoins tu souris. Parce que tu sais que tout est une question de probabilité. Et que par rapport aux statistiques, tu n'es même pas le dernier. Tu sais que tu peux le faire, quel que soit ce qui se passe. Et si la géométrie est mauvaise par terre, alors fais-le dans l'espace. Oui, parce que finalement tu as réussi et tu te demandes encore comment. En plus d'être un Burkini, tu es un jeune excellent. Tu comprends qu'à cause de toi, ton pays a un bel avenir. Tu peux partir sous d'autres toits, mais tu as le devoir de revenir. Et moi, quand je fais la somme de mes formules mathématiques, je comprends la raison de toute cette excellence. Les œufs d'une colombe ne donneront jamais de moustiques. Tel président excellent, telle population excellente.